Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, et bien tout simplement je vais vous présenter le tout nouveau véhicule qui est sorti. Parce que vous savez que jeudi c'est les mises à jour de Rockstar. Et qui dit mise à jour de Rockstar dit nouveau véhicule, qui dit nouveau véhicule dit présentation de Unwin tous les vendredis. Bah oui, puisque c'est jeudi, donc forcément ça sort un jour après. Donc voilà, alors pour ceux qui veulent un peu savoir qu'est-ce qu'on a comme nouveauté aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est un petit 4x4 qui m'a fait l'air pas mal. Je vais vous montrer quand même où est-ce qu'on l'achète. C'est dans South San Andreas et c'est la Anis Elion, donc qui coûte 835 000. Donc ça vient de la marque Anis, voilà. Ok, 35 d'origine, ok. Vitesse, ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va tester tout ça bien évidemment, comme vous le savez. Et bien évidemment, le truc à faire, c'est là, on va aller le custom. Par contre, je sais pas c'est quoi comme véhicule dans la vraie vie, mais j'ai l'impression que c'est un Jeep. Je sais pas. Ça me fait penser à l'arrière d'un Jeep. En tout cas, bien évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à chaque fois à noter tout simplement la customisation sur 10, hein, si vous kiffez ou non la customisation. Comme d'habitude, parce que je sais que là, à chaque fois, je me fais. Des fois, ça va. Des fois, je me fais saigner. Des fois, je me fais pas saigner. Mais c'est vrai que la toute dernière, je crois, vous m'avez mis des notes de merde. Mais là, ça va. Je pense que je vais bien le custom. Bon, déjà au niveau de la tenue de route, c'est un 4x4, donc forcément les 4x4 ils ont une bonne tenue de route, hein. Ouais, enfin ils ont une bonne tenue de route si c'est un bon pilote, quoi. À part que là c'est une mine, donc forcément je suis pas un pilote, quoi. Ok, d'ailleurs je voulais aussi vous faut bien tourner avec ce véhicule. Ouais, je voulais vous remercier pour le soutien en ce moment dans les commentaires. Vous savez, j'aime bien. Je pense que vous voyez un peu dans les commentaires. Je like vos commentaires. Je réponds de temps en temps en ce moment aux commentaires. Et je voulais vous remercier pour votre soutien en ce moment parce que ça fait plaisir. Et surtout, j'ai sorti une vidéo où je montrais ma tête. Enfin, je jouais en montrant ma tête. Ça m'a fait plaisir, les bons retours qu'il y a eu. Donc, sachez que là, on est vendredi. Peut-être que demain. On est du coup samedi, peut-être qu'il y a une vidéo où je joue en facecam, voilà, on verra. Alors, blindage, on m'a fond, frein de course, pare-choc. Alors, oula, il y a 17 trucs. On a sans le bélier, bélier couleur 1, couleur 2, pare-buffle, pare-buffle couleur 1, pare-buffle couleur 2, bélier renforcé. Pare-buffle 2, ok, c'est des pare-buffles un peu plus par rapport à l'autre. Il n'y a pas de lampe, je crois. Ouais, là il y a une lampe en plus en couleur 2. Wow, le 3 il est chaud. Ok, on va mettre pare-buffle couleur 1 pour le moment. On verra par la suite. Alors, pare-choc, on a gris de phare. Ouais, ça change en fait. Regardez ici là au niveau des phares. Je zoom, voilà, ça change là. On a bélier, kit de compétition. Ok, kit de compétition, du coup, c'est les deux. On va mettre kit de compétition. Ensuite, moteur niveau 4, échappement. Alors, on a filtre. Wow! Ah ouais. Filtre à air visible. Turbo croisé. What the fuck? C'est quoi cette voiture là? Turbo Big Daddy. V8. Bon, ouais, c'est quoi de ça? Ah ouais, il y a vraiment des trucs vraiment cheatés. Et ça afflue pas le. Ça afflue pas le kiff. Enfin, ouais, non. Du coup, lequel qui est beau? Ceux-là, on a tout le temps. On met toujours la même chose. Oh, celui-là, il est beau aussi. Alors, j'aime bien le double turbo et j'aime bien le turbo Big Daddy. Donc, on va mettre celui-là. Ensuite, elle retirée. Donc, c'est quoi qui change? Ouais, c'est là. Au niveau de la roue, là, vous voyez. Hop. Elle de série. Elle custom. Enfin, elle vissée. Élargie, ouais, élargie, j'aime bien. Élargie couleur 1. Calandre, alors. Ah, du coup, on la voit pas. Donc c'est pas vraiment très important. On va mettre Anis. Je sais pas si le fait de mettre le nom ça fait stylé.
Voilà, on laisse comme ça. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, phare, xénon, kit néon. On va mettre les trucs, la couleur, on verra après. Motif. Alors, la bande blanche. Donc, ça fait ça. On a bande noire, atomique, redwood, numéro 56, numéro 69. Ranger. Bon, Ranger, c'est. C'est stylé, j'aime bien, mais bon. Patriote. Ouais, bon, ça, voilà, on a l'habitude, hein. Oh, pas mal comme ça. J'aime bien comme ça. Après, est-ce que mettre un motif, c'est bien? Honnêtement, je sais pas. Hein. Il n'y a pas vraiment de motifs qui me disent ouais, ça c'est beau quoi. Ils sont. Pff, ouais, celui-là est horrible. Honnêtement, je sais pas. Parce que ça, en vérité, ça fait bien. Parce que ça va. Ça, du coup, ça correspond à la couleur de. Bah, à la couleur du truc là, du turbo. Mais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je sais pas. Celui-là, il est beau aussi, mais bon, ça fait un peu trop voiture de course. Patriote, bah on a l'habitude de le mettre. Écoute, on va mettre ça et on verra par la suite. Hop. Peinture, voilà. Métallisé. Et du coup, là, ça va être un peu important. Ok, du coup ça change un peu la couleur. Ok, ça change aussi la couleur là. En jaune ça donne ça. Quelle couleur je pourrais mettre le véhicule? À votre avis. Parce que les Jeeps généralement c'est noir ou blanc quoi. Mais bon, là le mettre en noir, je sais pas si c'est. Rouge, elle fait pas trop. En vert à ligne, il y a moins que ça fasse quelque chose. Couleur roux, c'est quoi la couleur roux? Attendez. Ah, je vais mettre la couleur roux, tiens, ça fait longtemps. Couleur roux. Couleur secondaire, on va mettre couleur roux aussi. Et maintenant, je vais voir au niveau des motifs, du coup, comment ça fait avec la couleur roux. Waouh! Sans motif, ça fait ça. Faudrait qu'on mette un motif quand même. Hein. Comme ça le fait bien aussi, mais bon. Patriote en vert, ça le fait pas trop. À part si on fait Patriote et dans ce cas-là on met le véhicule en blanc, là ça le ferait. Ou alors, mais on met. Enfin. Ouais. Alors on met ça, mais dans ce cas-là on est complètement décalé quoi. Je sais pas, honnêtement je sais pas, je sais pas du tout parce qu'après vous allez le noter donc forcément j'ai peur que vous me saigniez. Est-ce qu'on met cauchemar ou on met ça? Rage puissant, cauchemar. Est-ce que celui-là honnêtement ça va, il est stylé, du moins il est pas, enfin c'est la première fois que je le vois ce motif. On met sans motif ça fait comment? Ouais, mais sans motif, c'est sans motif, quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, on va partir sur ce qu'on était de base. Allez, hop, voilà. Peinture, c'est bon. Ça, on met. Toi. Ah, toi, on peut mettre. Allez, hop, on met ça, hein, le kit. Bas de caisse, alors on a marchepied. Marchepied couleur 1, couleur 2, bah oui, forcément c'est un peu plus stylé. Ah, j'aime bien le. Non, j'aime bien le marchepied comme ça, moi. Honnêtement, que le tuyau dégueulasse là, je. De série, il est vite fait. Ouais, j'aime bien celui-là. On part sur celui-là. Suspension sport. Transmission bas de compétition. Turbo, on met le turbo. Roue, alors roue, forcément on va mettre du tout terrain. Mais regardez,
si je mets... Attendez. Le problème, c'est qu'elles sont magnifiques, les jantes de série. Donc, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de... On peut mettre un 4x4 comme ça, au pire. Allez, si je mets un truc comme ça rend bien aussi. Hein. Couleur. On part sur du... On part sur quoi? On part sur du couleur pro. Il y a couleur quoi ici? Ah ouais, c'est vraiment un véhicule de kéké là. C'est dégueulasse. Jackie Tuning. C'est dégueulasse ce que viennent de faire les gars. Me saignez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Attendez. Il y a moyen de rattraper le coup là. Non, honnêtement, ça va. Moi j'aime bien. Ces véhicules, voilà quoi. En tout terrain, faut voir comment ça donne. Oh, le problème, c'est que les jantes tout terrain elles sont horribles. Non, honnêtement, moi j'aime bien les. J'aime bien les jantes comme ça. Hein. Comme ça, elles sont un peu plus stylées. Allez, on part là-dessus. Pneu custom, non. L'épreuve des balles, fumée de pneus. On met en vert. Protection pour vite. Wow! Ah ouais, d'accord. Ah, là ouais. Attendez, si je remonte. Attendez. On va finir juste. Fenêtre, bah c'est bon, je crois. Fenêtre. Fenêtre, non, on va mettre aucune. Du coup, là, je vais pouvoir modifier le motif et voir comment ça donne. Ah ouais. Ah ouais, c'est magnifique comme ça avec la tête de mort. Ah, il est beau comme ça. Comme ça aussi, il est beau. Allez. On mettra là-dessus. Donc, dans tous les cas, sachez que si vous voulez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça aussi avec les flammes vertes. Il est beau aussi. Hein. J'aime bien les deux. Bon, après, les autres motifs sont un peu plus dégueulasses, quoi. Ok, on part là-dessus. Donc, voilà un peu la customisation que j'ai mis du coup sur le. Sur le véhicule. On va le mettre à la lumière. Ah ouais, il est magnifique. Honnêtement, il est beau. J'aime bien. Parce que, tu vois, j'ai mis une couleur. Et j'ai mis en. Vous voyez le vert. Ça ressemble au truc de Superman derrière. Bon, on va tester un peu la vitesse. Est-ce qu'il tient bien la route? Bon, je me parle pas, je vous fais écouter un peu le bruit. Passer sous le pont. Non, honnêtement, je suis assez content de ma customisation. Il est très beau. Maintenant, on va tester un peu si bah forcément c'est un 4x4. Est-ce qu'il monte bien les escaliers? Est-ce que. Enfin, si il tient bien la route, tout simplement. Voilà, hop. On va aller ici. Ouais. Ça va. Honnêtement, ça va. Il tient bien la route. Il bégaye pas, quoi. Ok. Non, franchement, c'est un beau véhicule. Honnêtement, il tient très très bien la route. Il monte bien les trucs. Ça, c'est un obstacle, ça. Bon, ça par contre on pourra pas le monter, forcément c'est pas non plus un monster truck. Hein. Mais je suis assez content de ma customisation, honnêtement. Bon, voilà, les petits trottoirs et puis les gros trottoirs, enfin, voilà, sans pression quoi. Ok, donc du coup c'était la customisation de la Anis Elion qui est un véhicule tout terrain. Donc il coûte 800, je rappelle le prix, je vais vous montrer. Hop. Le prix c'est 835 000 avec les customisations, vous en avez pour à peu près 1 million et quelques. Hein. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis au revoir.